Vous êtes réveillé? Alors, qu'est-ce que ça fait d'être de retour dans le monde des vivants? Ne vous en faites pas. Je suis médecin. Enfin, médecin légiste, à l'origine. Vous pouvez m'appeler Deadman. On va dire que je connais bien les morts. Enfin, pas autant que vous. Malgré le nom que je porte, je n'ai jamais vraiment été mort. Ce ne serait pas une bonne idée de faire ça. C'est pas vraiment mon domaine, mais je peux vous dire qu'elles sont là pour votre protection. Regardez. Est-ce que je suis prisonnier? Ce ne sont pas de vrais monotes. Ce sont des appareils high-tech qui nous relient tous les uns aux autres. Qui nous? Ah, je vois. Eh oui, Bridges. La plus grande chance qu'il reste à l'humanité d'avoir un avenir. Ou d'éviter l'extinction, si vous préférez. Super. Où est-ce qu'on est? Quelle heure il est? Regardez bien. Essayez de l'appuyer contre votre peau. Comme ça. Détendez-vous. Ça veut seulement dire que votre corps s'est bien connecté aux monotes. Tenez, vous voyez? Ces monotes, elles veilleront sur vous 24 heures sur 24. On sera joignable tout le temps pour vous aider, Sam. C'est pas possible. Ça fait 2 jours. Puisqu'on vous avait sous la main, on s'est octroyé la liberté de prélever des échantillons de fluide sur vous. Vous êtes un rapatrié, ce qui vous rend vraiment particulier. Qu'est-ce qui est arrivé au gars de l'IM? Il ne reste rien de la ville relais centrale. Elle a été annihilée. Game over, tout le monde. Ce n'est plus qu'un énorme cratère. Les deux seuls qui ont le droit de rejouer, c'est vous, vous savez bien pourquoi, et votre bébé hors service. Est-ce qu'il va bien? Il a été envoyé pour destruction. Il ne fonctionnait plus. Pourquoi le garder? On a perdu tellement de monde. Pas uniquement l'incinérateur mortuaire, mais mon équipe. Le siège aussi, Vredefort tout entière. Tous ceux qui se trouvaient à la ville relais centrale. Actuellement, on est dans la base de la capitale relais. Mais je devrais dire, dans notre nouveau siège. Sudbury s'est imposé comme le meilleur des choix. Mais l'équipe d'implémentation s'est fait entièrement décimer. Et de toute façon, en 2 jours, on n'a pas vraiment le temps de faire grand-chose. La situation est très confuse. Enfin, heureusement, le directeur ainsi que son équipe étaient en déplacement à ce moment-là, donc la chaîne de commandement n'en a pas été affectée. Ça m'ennuie de vous demander ça si tôt, mais j'ai une mission pour vous. Oh. Cette main négative, vous l'avez depuis votre rapatriement? Et cette autre marque, elle vient d'où? D'une femme tactile, dans une grotte. Je vois. Afin une phosmophobie, hein. Pas étonnant que vous alliez tout seul dehors. Personne ne peut vous toucher. Je tâcherai de faire plus attention, Sam. Donc, la mission est une livraison urgente. Il va falloir que vous apportiez de la morphine à la présidente. Quelle présidente? Il n'y a plus d'Amérique. Vous voulez parler de la mère de Centrale? Non, pas la mère, Sam. L'Amérique est belle et bien vivante. Notre présidente est atteinte d'un cancer en phase terminale. Son état est critique, mais il nous reste du temps. Pourquoi à moi? Écoutez, Sam, faites donc ce que je vous demande et vous verrez que tout s'expliquera. Vous avez qu'à le faire. En fait, je ne suis pas vraiment là. Toutes mes excuses. Ce que vous voyez n'est qu'un chiralgramme. Ah, c'est pas vrai. J'ai les yeux qui pleurent.
C'est une réaction allergique à la transmission chirale. En fait, je me trouve actuellement dans le grand bâtiment triangulaire dans le service d'isolement. Ah, la morphine que vous devez livrer. Vous êtes officiellement lié par contrat à Bridges, Sam Porter. Non, arrêtez. Il y a de la morphine là-bas. À quoi ça rime? Dites-moi la vérité. Pour tout vous dire, Sam, la dernière présidente des États-Unis demande à vous voir en personne. Est-ce que vous comptez vraiment lui refuser ça? Bonne décision. J'attends donc votre arrivée au service d'isolement. Demande de livraison pour Sam Porter Bridges. Transport de morphine jusqu'au service d'isolement pour administration immédiate à la présidente. Consultez donc la carte sur vos monotes si vous êtes perdu. Le service d'isolement devrait vous sauter aux yeux. Si ça peut aider, vous pouvez ajouter des repères et définir des itinéraires. Faites un essai, vous verrez ce que je veux dire. Thank you.
Non, c'est pas le moment. Sam, pour vérifier que vous allez bien dans la bonne direction, consultez votre boussole. Ça vous évitera de vous perdre, enfin, à condition que vous ayez une destination, évidemment. Central n'abritait pas seulement le siège de Bridges. Il abritait également le siège du mouvement reconstructionniste. Si la présidente n'avait pas eu besoin de soins particuliers, elle ne serait jamais partie. Et du coup, nous non plus, on ne serait jamais partis. Ces constantes penchent toutes dans le même sens. Aucune chance qu'elles s'en sortent ? Malheureusement, non. Aucune. Très bien. Sam ! C'est moi, Deadman. Pardon, c'est l'habitude. Je crains que l'état de santé de la présidente ne soit encore aggravé. Merci. Ça devrait la soulager un peu. Et vous permettre de vous entretenir avec Bridget avant qu'elle ne s'en aille.
Bridget? Bridget Strand, la première et dernière femme à la tête des États-Unis. Vous vous en souvenez forcément. Elle vous a élevé. C'est pas une tenue idéale pour des retrouvailles. Vous devriez retirer ça avant d'entrer. De la présidente et le directeur de Bridges. C'est Die Hard Man. Oh, vous avez connu Bridges 1. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de faire les présentations. Ça faisait longtemps, Sam. À peu près 10 ans. Regardez-nous. Des erreurs de la nature qui se retrouvent comme ça. Enfin, passons. Le plaisir est partagé. Elle vous attend. C'est votre mère, Bridget. Elle n'est plus tout à fait elle-même, mais je suis sûr qu'elle vous reconnaîtra. Nous avons fait venir Sam. On va vous laisser vous retrouver. Sam, je savais que tu reviendrais. Dis-moi comment tu vas. Je sais à quel point tu me détestes. Amélie. Quoi, Amélie? Tu te souviens qu'elle est partie pour l'Ouest? La traversée lui a pris 3 ans. Elle s'efforce de reconstruire le pays. On en est donc toujours au même point. C'est à toi que je voulais confier cette mission. Le temps joue contre nous. Il faut que tu aides Amélie, elle a besoin de toi. Vous devez nous reconnecter les uns aux autres. Vous pouvez rassembler tout le monde. Sam, si nous n'arrivons pas à nous unir, l'humanité ne pourra jamais s'en relever. On n'a pas besoin d'un pays. C'est plus la peine. Bien sûr que si. Tout seul, nous n'avons aucun avenir. Moi, je crois que l'Amérique est foutue. Ouvre un peu les yeux. T'es la présidente d'un souvenir. Je t'en prie, Sam, écoute! Non. Tu...
Mais alors, tu es prêt à m'aider? C'est pas parce que je... Je t'attendrai sur la grève. Madame la Présidente. Oh, non. Je suis là. Allez. Docteur, on a besoin d'aide. Il me faut tout le monde. Elle fibrille. Donnez-moi 150 millilitres. Elle ne réagit pas. Restez avec moi. Son cours ralentit. Accrochez-vous. On la perd. Écoutez, personne ne doit savoir que la présidente est morte. Si quelqu'un l'apprend, c'est la fin de Bridges. Alors ce qui s'est passé dans cette pièce ne doit pas en sortir, c'est clair? C'est très clair, monsieur. Mais il reste le problème du cadavre. Sans incinérateur mortuaire, on a une autre solution. Sam, la présidente a conclu un contrat avec vous avant de mourir. Qu'est-ce que vous racontez, là? Vous êtes membre de Bridges. Vous allez participer à la reconstruction de l'Amérique. Vous croyez pouvoir me recruter, comme elle a essayé de le faire? Elle y est parvenue. Votre poignet. Si ça, ce n'est pas symbolique, alors qu'est-ce qu'il l'est? Pardon, monsieur. Je vous rappelle que le cancer s'était répandu dans tout son corps. Le don d'organes est parfaitement inenvisageable. Quant à l'autopsie, elle serait inutile. Il va falloir incinérer sa dépouille avant qu'elle ne se nécrose. Autrement, cet endroit laissera place à un nouveau cratère. Qu'est-ce que vous attendez de moi? On n'a malheureusement aucun porteur sous la main. Quant aux IM de la dernière fois, vous ne l'avez pas oublié. Ils sont morts. Mais le corps de la présidente doit être incinéré. La route entre la capitale relais et l'incinérateur a été engloutie dans la néantisation. La seule façon d'y aller, c'est à pied, par la montagne. Mais la densité chirale est hors norme dans la région. Donc il y aura des échoués. Cette mission peut seulement être confiée à un rapatrié, porteur du Dooms. Ouais, moi quoi? Mais pourquoi? Sam, vous êtes déjà en mission. Cette mission est pour vous. Samuel Porter Bridges. J'aimerais dire quelques mots. La présidente Strand avait foi en la reconstruction de l'Amérique. Elle a travaillé d'arrache-pied
pour réunifier cette nation. Et sans elle, Bridges n'existerait pas. Pour ses obsèques, elle mérite qu'on lui rende honneur. Mais on ne peut pas se le permettre. Si elle meurt, l'Amérique meurt avec elle. Si elle disparaît, alors Bridges ne s'en relèvera pas. Écoutez. Nous devons impérativement faire en sorte que sa crémation ait lieu dans le plus grand secret. Et si on y arrive, qu'est-ce qui se passe après? Qui va la remplacer? C'est foutu. L'Amérique est foutue. Non, Sam. L'Amérique n'a pas encore disparu. Il vient juste de dire le contraire, faudra savoir. C'est un fait, elle nous a quittés. Mais il nous reste quand même encore une Amérique digne d'être présidée. Vous êtes sérieux? Vous reparlerez de ça plus tard. Ce qui importe, c'est de terminer le travail que votre mère a commencé et de tout faire pour reconstruire l'Amérique comme elle le voulait. C'est pour cette raison que Bridges a vu le jour. Alors je vous demande de faire le premier pas, Sam, et d'aller déposer le corps de la présidente à l'incinérateur. Si nous n'arrivons pas à nous unir, l'humanité ne survivra pas. C'est à toi que je voulais confier cette mission. Le temps joue contre nous. Je t'aime, Sam. Je t'attendrai sur la grève. L'incinérateur se trouve au sud-ouest. Surtout, n'oubliez pas que vous devrez traverser le territoire échoué. Le bâtiment a été construit le plus loin possible dans les montagnes pour pas que la matière chirale contenue dans la fumée n'atteigne la ville. Ce sera pas du gâteau de transporter un corps jusque-là. Nous garderons un œil sur vous en permanence. S'il vous arrive quoi que ce soit, nous vous aiderons par l'intermédiaire des menottes. Sam, ici derrière Matt. Deadman vous a bien dit comment fonctionnent les menottes. Alors servez-vous-en pour voir où se trouve l'incinérateur. Non, je préfère attendre. Oh merde, désolé. Sam, je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de vous le rappeler, mais vous savez... Il ne leur faut pas plus de 48 heures après l'arrêt du cœur pour se nécroser et devenir des échoués voués à nous gâcher la vie. Chaque chose en son temps, je n'attends pas. Chose en son temps, je l'attends pas.
puissante Bridget Strand était le symbole du reconstructionnisme américain. Le pays avait beau avoir volé en éclats et ses habitants avoir été dispersés aux quatre vents, elle n'a jamais cessé de croire qu'ils pouvaient être réunis. Le peuple s'est accroché à l'espoir que l'Amérique renaîtrait de ses cendres, car il croyait en Bridget Strand. Nous croyons fermement que ce pays peut être reconstruit. L'Amérique est toujours en vie. Et l'esprit de Bridget restera parmi nous. Qu'est-ce qui va pas chez toi, Sam ? Faire ça ici, c'est une mauvaise idée. Chose en son temps, je vais attendre. Faire ça ici, c'est une mauvaise idée. First of March, it's clear to me. There's something that's uncomforting. Your body heads away with me, but I'm exactly where I wanna be. Qu'est-ce qui va pas chez toi, ça? I'm a long way from home. Chaque chose en son temps, je vais attendre. I know your voice, I know your voice. Des idées. This is something I
Qu'est-ce qui va pas chez toi, Sam? Ça, c'est pour toi. Tellement sèche.
accroché, mon petit Sam. En son temps, je vais attendre. Ça, c'est pour toi. C'était limite. Chose en son temps, je n'attends pas. C'était limite.
très loin. Faire ça ici, c'est... Qu'est-ce qui va pas chez toi, Sam? Chaque chose en son temps, toujours attendra. Merci pour le coup de main. Une bonne journée. Ça ici, c'est une mauvaise idée. Qu'est-ce qui va pas chez toi, Sam? Alors c'est là.
Qu'est-ce qui va pas chez toi, Sam? Marchandises tant que vous êtes sur place. Qu'est-ce que c'est? BB-28. C'était l'unité attribuée à Igor. Il était relié à vous quand on vous a trouvé dans le cratère. Mais pourquoi il est là? Parce qu'il doit être incinéré. Relais central a disparu et notre siège avec elle. Tout ça parce que ce truc n'a pas fait son boulot. Tout est consigné dans les rapports d'Igor. Je vous signale qu'il est encore en vie. On ne peut pas le réparer. Et il ne survivra pas en dehors de la capsule. Inutile de s'apitoyer sur son sort. La décision a été prise. Il doit disparaître. Le directeur a approuvé l'ordre. Voilà où j'en suis. Il y en a partout. Ça vient souvent des camps qu'on n'a pas pu conduire à l'incinérateur à temps. J'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose à faire pour empêcher ça à cet endroit. Vous pouvez attendre la fin de la pluie? Non, je crois pas. Ils approchent de ma position. Faut que je parte avant qu'ils détectent ma présence. Sam, si une de ces choses vous dévore, ça provoquera une néantisation. Vous en échapperez, c'est sûr. Mais de toute cette zone, il ne restera plus qu'un énorme cratère. J'ai une idée. Vraiment,
marre, ça t'a pris. Ouais, tu veux plus marcher, en fait. Restez discret et avancez avec prudence.